Bonjour à tout le monde. Alors, je n'ai pas trop compris cette formule, surtout pas le RN, surtout pas le NFP. Moi, je n'ai pas trop compris cette formule. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure où on est là, les Français, ils ont la dalle. Ils sont chauds. Ils sont extrêmement chauds. Ah oui, c'est le bal des extrêmes. C'est le bal des extrêmes. Mon frère, le pouvoir est doux. Ah, le pouvoir est doux. Le RN, ils veulent le pouvoir. Ils ont soif de pouvoir. Le NFP, ils ont soif de pouvoir. Ah, non. Un tournant historique en France. Un tournant historique. C'est-à-dire que ceux qui sont modérés, ceux qui sont du centre, là, non, ils ne font même plus partie du game. Ils ne font plus partie du game. Il n'y a que les extrêmes. Ce sont les extrêmes, comme on dit, hein, ce sont les extrêmes qui ont la côte. Ce sont les extrêmes qui ont la côte. Non, mais c'est clair. Hein, c'est clair. La France va coucher avec son ennemi. La France va coucher avec son ennemi et, très franchement, je pense que là, elle est assez préparée. Elle est assez préparée. Je pense même qu'il n'y aura même pas besoin de lubrifiant. Elle est chaude. Ah, non, 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 non. La France, elle est chaude. Parce que quand je vois les sympathisants, aïe, du RN, comment ils sont chauds et sur les réseaux sociaux et au boulot. Et quand je vois comment les sympathisants du NFP, ils sont également chauds, mais ils sont extrêmement chauds. Non, ils sont extrêmement chauds. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud. Même pas besoin de s'intéresser au programme. Les gens n'en ont plus rien à cirer. Tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est la formule des LR. C'est surtout pas le RN, surtout pas le NFP. Mais frère, les gens en France, ils veulent surtout le RN ou ils veulent surtout le NFP. On va faire comment? On va juste regarder et dire que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Parce que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Hein? Ils veulent le pouvoir. Et franchement, c'est celui qui sera le plus extrême. C'est celui qui aura le plus faim. C'est celui qui en aura le plus envie qui va gagner. De toute façon, on attend. Le 7 juillet, on saura tout. Le 7 juillet, on saura tout. Dans ce bal des extrêmes.